Et salut petite tryharder, t'es bien sur la chaîne de Big Monster. On a 2557 MMR, 45 victoires, et les games deviennent vraiment de plus en plus intéressantes. On commence déjà, en vrai, même s'ils ont l'air là, silver, machin truc, ils sont... ça commence à piquer. Genre, tu vois, ils savent... ils savent... tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils savent. Ils savent faire des push, ça commence à devenir embêtant. Alors lui, il est random, malheureusement. Ah, j'aime pas ça, les randoms. Les randoms. Qui a dit que random, c'était pour les hommes? Ah oui, d'accord. Donc le mec m'a pris pour une grosse brêle. Attardé. Allez, ciao. Bon bah du coup c'est moi qui viens. Du coup c'est moi qui viens. Allez, ciao, c'est tout pour moi. Allez, on a mis combien? Moins d'une minute? 1 minute 9. On lui met GG ou pas? Oh, je le taunte un petit peu là. Je le taunte un petit peu. Il est quoi? Il est 3K! Il est 3K! Il est 3K, je lui ai mis la misère. Oh là là! Il a pas voulu me rester. Oh, on le joue encore! Peut-être. Peut-être. Ah, dommage. On était à deux doigts, Attends, le mec me manque de respect, mais je lui manquais de respect aussi, enfin je l'ai défoncé. J'ai défoncé, il s'est pris sa loose, hein. Oh là là, oh là là, oh ça démarre bien là. Oh la vidéo elle démarre bien. Et on va encore avoir PK, donc encore, donc c'est pas random. PGKSP. Attends, redis-moi, il est Protoss. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé sur cette partie-là, c'est le fait que j'ai cancel le pylône de la B2 parce que je savais pertinemment qu'il pouvait me le tuer et c'était mieux de le cancel et de le faire en B1. Genre, enfin c'est quand même avancé comme move, tu vois, de dire que à l'avance, ce pylône-là, de toute manière, il est condamné, tu le perdras à un moment ou à un autre, alors mieux vaut le perdre tout de suite. Comme ça, tu perds que 25 de minerai et plus vite il est reposé, plus vite tu pourras faire la suite, etc. Franchement, je suis ultra content de cette décision, quoi. De toute façon, StarCraft 2, c'est un jeu décisionnel, donc tu gagnes aux décisions. Alors, la rapidité, c'est vrai, mais les décisions en premier. D'ailleurs, la plupart des gens là, enfin d'ailleurs depuis le Road to Master, les défaites et les victoires, c'est sur de la décision. Est-ce que tu scoutes? Est-ce que tu scoutes pas? Il a FK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque une. Il est en train de me faire un proxy. On va faire Forge. Total Wall. On va laisser la preuve de sortie. Et c'est Total Wall. On va même checker en bas. On va faire full minerai. Se cacher. C'est 100% proxy. Il faut 12 probes. Hein. Il faut 12 probes. On va faire un zélote. Et on va même pas. On va se cacher. On va même pas chercher. Ah bah c'est vu. Oh là 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 là. C'est tellement vu. C'est tellement vu. On va cancel ça. Ah bah c'est trop tard. J'en fais 3 parce que voilà. Voilà, et lui il va se manger un canon rush. Tac. Donc voilà, comment on contre un mec qui fait 4 gates, le scout, on scout. Et ça c'était vachement important de compter le nombre de probes. Il est AFK ou il est pas AFK? Voilà, donc le mec a perdu. Normalement, ça va être pile. On va même lancer Cyber pour faire de Battery Shield, mais ouais, c'est terminé. C'est très largement terminé. On va plutôt lui manquer de respect. Poser Cyber chez lui. Ouais, on va poser Cyber chez lui.
Et le Zulot, en fait, je suis content qu'il soit là. Il va permettre de bien voler. Mais tu vois, il faut pas être naïf. Est-ce que tu crois vraiment que le... Enfin, ça arrive des fois que les gens soient FK, mais... Tu vois, il y a... J'ai compté le nombre de probes, tu vois. Enfin, tu vois, genre le niveau du gars. Le niveau du gars. Allez. Ça, c'est bon. Voilà, c'est un peu derrière. Ah, c'est trop tard. Ah, c'est bête. Ah, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Ah, mince. Ah, mince. Ah, oui. Ah, c'est bête. J'adore. Et si là, s'il me prend une base, je te canon rush ça direct. Ah, il n'y a pas de base. Regarde ça. Ah, c'est à portée, je suis à portée. Et là, je vais être bien, 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 bien à portée. Regarde ça. Coucou! Je vais mettre une batterie shield ici. Là, il n'y a plus aucun monde où il rentre. Et d'ailleurs, on peut regarder, on va pas se cacher. Hein. Tu prends une gaz? Non, tu prends pas gaz. Bon. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il veut sortir, il veut poser un Nexus. C'est intéressant. Ah, il est chez moi. Allez, viens. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Le niveau du gars. Bon, Voidray. Puis B2, hein. C'est pour ça que j'avais envoyé l'autre probe. Puis tant qu'à faire, on va scouter. Voilà. Et donc là, bah, je sais pas dans quel monde il gagne ça. Il a même pas assez. Bah, je vais faire direct un carrière. Ah là là. Je vais même pas prendre le temps de tuer le reste. GG. Donc, le mec bien fourbe, hein. Le mec bien fourbe, hein. Et voilà. Et il emmène la 12e probe. Et voilà, il faut compter les probes, faut compter les probes. On va même avoir le temps de refaire une troisième game. Mais c'est... Ouais, en fait, ça fait genre que t'es AFK, mais si tu voulais vraiment faire genre que t'étais AFK, tu fais une probe. Tu fais une probe pour rester à 12 sur 12. Et là je crois que j'aurais marché. S'il y avait eu 12 probes, j'aurais marché, je me serais dit qu'il était vraiment AFK. Et j'aurais envoyé toutes mes probes moi-même. Je crois vraiment que j'aurais fait ça. Franchement, ça s'est joué à rien. Il aurait vraiment pu gagner, en fait. Parce que dans mon esprit, s'il était vraiment efficace, j'aurais envoyé toutes mes probes directes. Et j'aurais pas réfléchi, et ça je l'aurais pas vu, parce que la probe elle sera passée ici. Et il m'aurait envoyé quelques zélotes, et il aurait gagné. Ouais. Ça se joue à rien. Mais bah ça se joue à une probe. Ça se joue à une probe, bon gars. Ouais. Et là c'est vu. Oh là là. Pfff. Oh là 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 là. Oh, il paye même pas son pylône. Oh. Il est supply. Il paye même pas son pylône. On va quand même regarder le timing de ma forge pour être sûr à quel moment j'ai pris la décision. Normalement, c'est après que j'ai compté. Ouais, c'est après que j'ai compté. Donc ouais, normalement, j'allais vraiment pull les probes. Allez, on en lance une, on a le temps. 2600, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Bronze 2, hein. Bronze 2, il est bronze 2. Aïe aïe aïe. On va jouer Suva. Il est Zerg. Et tu vois, là, ça commence à devenir intéressant. Il y a des stratégies en place. Il y a des stratégies. C'est ça. En vrai, il y a tellement moyen que je me prenne une lose avant même platine diamant, je sais pas. Il y a vraiment moyen parce que si chaque game ils font des dingueries comme ça, en fait tu dois vraiment scouter, 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 scouter. Et en vrai, je me demande si le Road to Master il va pas réellement améliorer mon niveau dans le sens où. Je vais sans arrêt prendre les bons réflexes à me dire tu scoutes, tu scoutes, tu scoutes. Voilà, c'est franchement, hein, je suis sûr que ça va changer mon gameplay. Ah, ça fait mal.
Ok, on revient tout de suite poser la forge. Dominant qui sort, possiblement. Ah bah non, c'est une poule. On va vraiment garder loin derrière. Donc, on revient miner. Ouais, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des gold sur la map? Non. Si. Si, mais peut-être que c'est juste pool first. Ce qui est possible. Ok. Donc il a l'air de vouloir jouer agressif. On va faire adept first. Et voir ce qui se passe. Ouais, il va faire roach, je pense. Il va faire roach parce que... oula, ce pylône là est très important. Je suis en retard, je pense. D'ailleurs, on va pas faire de probe. On va d'abord lancer la gate. Il faut vraiment respecter le fait qu'il est en train de pull first. Et je suis sûr que c'est roach ensuite. Il fait du zergling, mais je suis pas serein. On va quitter le mucus le plus rapidement possible. Là voilà, petite accélération, une base, non. Mais on va, comme on va très vite scouter. Tu vois, on va même lancer une troisième gate, parce que je veux pas faire le con. Je vais la perdre, malheureusement. Ah, ça se joue à rien. Batarouch. Ah oui, T2. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, alors du coup, il est en train de nous all-in. Je suis sur un seul gaz. On va chrono-booster ça. Ça va être bon. Avec un fast T2. Mais ouais, mais avec Roach, c'est Nidus. On va quand même prendre un deuxième gaz, mais là je vais juste faire Mass Gate. Parce que il veut juste produire beaucoup, il a pas d'écho. En vrai, j'ai même pas besoin de ce gaz là, je devrais pas le prendre. Je vais le garder au cas où, mais là c'est juste Stalker Zealot. Et on devrait le contrer sur ça. De toute façon, il a pas pris beaucoup de gaz, donc je pense pas que ce soit Ravager, ou alors il le ferait bien après. Bon, en vrai j'aime bien les sentries, donc je vais peut-être le prendre, mais... 1, 2, 3, 4... Voilà, bah une sentry du coup, et deux zélotes. Hein. L'hallucination, qui devrait nous faire gagner du coup. Ok, j'ai vraiment envoyé beaucoup de pylônes. On devrait être vacciné contre les pylônes. Du roach. Donc là c'est vu. Avance. Il a fait quand même des drones. Donc en fait on va être forcé d'attaquer. La base vient juste d'être posée. Et il fait les drones. Rien d'autre mais double gaz. On va, bah du coup on va attaquer maintenant. Et derrière, bah, ça va être Forge Council. Voilà. On a notre plan de jeu. Forge Council. Alors, je sais pas où sont ces roaches. On devrait peut-être refaire un petit peu d'armée comme ça au pif, mais... Ok, intéressant. Il est pas sur moi.
Ah bah merci pour le pour l'enclave. Merci pour l'enclave. Au fait, je t'interdis de miner. Allez, ciao. Bon bah sympa, on va regarder les replays vite fait. Mais bah c'est quelqu'un qui a voulu une push et j'ai défendu son push en faisant les bonnes unités. Donc là je pense que c'était un bon choix. Faire 0 tech mais que de la get unit, c'était le bon choix, je crois. Hein. Ça m'a permis de, en fait, de produire beaucoup. Et du coup, non seulement d'attaquer chez lui, mais en plus de défendre chez moi. Parce que franchement, je l'ai battu chez moi juste avec ma reprod. Même pas avec de l'armée que j'aurais laissé au hasard. Ok, j'avais quand même anticipé un zélote, un tracker, mais c'est tout. Et franchement, je suis content de vraiment pas avoir négligé cette histoire de pull first avec cyber first et derrière bah, triple gate en fait. Et de pas faire de tech. Je crois que c'est comme ça que ça se respecte en fait une pull first. Ouais, Bataroach, hein. Donc ça, je l'avais dit, c'était possible. Mais tu peux jamais décider quand est-ce qu'il le pose. Donc voilà. Là, je sais pas si je devrais perdre mon temps à tuer deux Zerglings. C'est toujours deux Zerglings, mais j'aurais peut-être eu un scout plus tôt. En fait, c'est à ça que je pense. Ici, j'ai quand même lancé bien l'économie. Et je fais une troisième guette avec des unités en continu. Mais plus vite je scoute... Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut absolument envoyer l'adepte pour scouter. Mais derrière, faut que tu protes chez toi, quoi, à fond. Et là, bah, une fois que j'ai vu ça, enfin, c'est terminé en fait, c'est terminé, j'ai beaucoup trop d'infos. Avec le T2 de lancer, ça me donne le timing, enfin ouais. Là, j'aurais dû courir, je pensais pas que la queen fait autant de dégâts. Ah, ça fait 2 x 8, hein. Ça coûte cher, enfin ça fait mal. Ouais. Et derrière, t'as le... En fait, de toute façon, le Zerling, j'aurais dû le kite, mais en vrai, j'étais content d'être caché dans le minerai, mais... Il fait beaucoup de dégâts, 5 tous les 0,5, ça fait 10 de DPS. Mais celle-là, elle attaque à 8 tous les 0,71. Ça fait 10 de DPS. En fait, ça fait aussi mal qu'un Zergling, une reine. Intéressant. Ouais, bah c'est la queen qui m'a tué d'ailleurs. Donc voilà. Derrière, bah, j'ai quand même chrono boosté hein, le Warp Gate. Je me suis pas foutu de sa gueule. Et derrière, bah voilà, hein, je warp. Hein. Oh, le supply que je lui ai mis là, regardez, 44 à 36. Il fait un dominant et c'est pas assez, il est encore supply. Oh le supply. Il paye 4 dominants du coup. Oh là là. Ah ça lui fait trop mal. Ça c'est important, hein. Ça de toute façon je l'ai jamais vérifié dans toutes les parties, dans aucune partie, mais le supply. Les mecs ça se trouve ils perdent tout seuls parce qu'ils sont supply, tu vois. Et combien en drone? 39 à 31. Bon. Et derrière... Ouais, bah ça je m'en doutais, mais je me suis dit bah balek. Et je crois que j'ai eu raison de m'en balek parce que... Ah, c'est vrai que le stalker t'as pas envie de le perdre, hein. T'as plutôt envie de perdre tes zélotes. Et tu vois, enfin franchement j'ai que dalle, en plus là c'est pas hyper ouf pour mes zélotes. Il va me le tuer, hein. C'est pas mal. Et il snipe. Mais là il prend tellement cher chez lui. Ce petit move droite-gauche avec les zélotes, c'est quand même cool. C'est dommage, hein. Là, il a fait à clic. Il a fait F2 à clic. Et ces unités-là ne vont rien tuer du tout. Enfin, c'est pas très important les dégâts qu'il fait. Tu vois, il tape une gate. Tu vois, et au final, il m'a tué 0 probe. Hein. Il aurait mieux fait d'attaquer mes probes. Hein. Foutre des billes là-dedans et il one-shot tout. Attends, mais une là. Là, il chope 6 probes direct. Et bah malheureusement, ouais, bah je l'ai battu, hein. J'ai beaucoup trop de prod. Beaucoup trop de prod. Ça... Il a voulu faire une attaque, mais en fin de compte, je l'ai trop bien accueilli. Trop de prod. Ouh là là, bientôt bronze 1, les gars. Eh, ça monte. Eh, j'espère vraiment atteindre les 3000 là qu'on aille chez les gold, les platines, parce que. Voilà, donc Suva. Mais tu vois, Suva, ouais, attends, mais d'où il est bronze 2? Ah ouais, il est vraiment bronze. Bah ouais, je suis un MMR bronze, ok. Eh bah, il est bon, hein. Mais tu vois, ces gens-là, ils sont quand même vachement l'air meilleurs que tous les autres qu'on a vus. Hein. Ok, bah écoute, j'espère que t'as passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, tu peux partager la vidéo si tu veux me soutenir. Moi, je te dis à la prochaine pour le Road to Master suivant. C'était Big Monster, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!